Maintenant, on va voir les questions d'exclusion mutuelle et de conditions. Donc, c'est des primitives de synchronisation utilisées dans les systèmes d'exploitation. Donc, pour le multitrading. Donc, comme on a vu avec les approches multitradées, la mémoire peut être partagée. Puis avec le problème du producteur-consommateur, on voit que ça peut créer des problèmes si on ne contrôle pas bien les accès à certaines sections critiques. Et donc, une primitive couramment utilisée pour contrôler les accès. C'est finalement les mutex. Donc, les mutex permettent donc d'assurer que certaines sections critiques vont être protégées. Donc, les mutex peuvent être soit bloqués, soit débloqués. Donc, puis le fait de bloquer un mutex permet de dire que si le mutex est associé à une section critique, bien, lorsqu'il est bloqué, il y a un seul thread qui est en mesure d'y accéder. Lorsqu'on le débloque, ben, c'est rendu disponible. Le point, c'est que le blocage et le déblocage des mutex sont des opérations atomiques. Donc, on fait des lock, puis on fait des unlock pour pouvoir y arriver. Donc, les opérations atomiques ne peuvent pas être préemptées. Généralement, c'est fait en code assembleur de sorte qu'il va y avoir des primitives matérielles qui permettent d'assurer que la préemption ne sera pas faite. Il suffit d'avoir une instruction machine, l'instruction assembleur test and set, qui va faire l'opération suivante, qui va copier la valeur d'un emplacement de la mémoire dans un registre et écrire la valeur 1 dans l'emplacement mémoire. Fait qu'on va faire une copie mémoire vers registre en écrivant 1 dans l'emplacement mémoire. Et ça, si ça se fait dans une seule instruction machine, ben, on va être correct parce que dans le fond, on va pouvoir avoir ce genre de routine-là, donc en espèce de code assembleur où. Finalement, on fait un TSL. Donc, ici, c'est un test and set qu'on veut faire ici. On va copier donc la valeur. Mutex, c'est un pointeur. C'est le pointeur de l'espace mémoire associé au mutex. On va dire c'est quoi le contenu pointé par mutex. On va le copier dans le registre, puis on va écrire 1 dans mutex. Donc, ça, c'est le test and set qu'on fait ici. Puis ensuite, mais on va comparer donc ici mutex à 0, la valeur qui avait pointé dans le mutex. Est-ce que c'est égal à 0? Si mutex veut 0, ça veut dire qu'on a obtenu le mutex, ça veut dire que c'est correct, on a pris possession du mutex. Il était 0 avant, on a écrit 1 avec la fonction test and set, on va aller à OK, puis on va retourner, donc ça veut dire qu'on a bloqué le mutex, on l'a obtenu, puis actuellement, il est à nous. Sinon, s'il n'était pas disponible, là, on va faire appel à la fonction yield, donc il va faire en sorte qu'on va mettre le thread en attente, puis on va passer à un autre thread. Donc, on va libérer le thread, on va libérer le processeur du thread, puis le thread va se mettre en veille pour attendre d'avoir accès finalement à la ressource. Puis une fois qu'il va avoir fini le yield, donc la main va lui revenir, on va refaire une nouvelle exécution de cette routine-là pour essayer d'obtenir, de prendre possession du mutex. Maintenant, lorsqu'on a terminé avec le mutex, pour le libérer, c'est très facile. On a tout simplement à écrire directement 0. La valeur 0 dans l'espace pointé par mutex. Donc, de dire l'espace mémoire associé au mutex, on va écrire 0 dedans. Ça va le rendre disponible. Le prochain lock va pouvoir prendre possession de ce mutex-là. C'est quand même assez court. On voit que le code assembleur ici n'est pas très sorcier, puis ça démontre comment est-ce qu'on peut l'implémenter, du moins conceptuellement. Lorsqu'on parle d'exclusion mutuelle, donc on peut penser à avoir deux processus où il y a une section critique ici, où là, A peut entrer dans la section critique, il prend possession du mutex, puis durant toute cette période-là, il y a la main, c'est lui qui est en mesure de travailler sur la section critique. Si B arrive ici, par exemple, il va tenter de prendre le mutex, mais il ne pourra pas, parce que le mutex est déjà pris, fait qu'il va être bloqué. Fait que tant que A garde le mutex, B est bloqué, et à la fin ici, lorsque A le libère, bien, B le prend, en prend possession, puis là, B peut s'exécuter lui aussi. Fait que ce qui est important ici est respecté, à savoir que A et B, ou peu importe, plusieurs processus ne vont pas travailler en même temps dans la section critique. C'est seulement un à la fois. Ici, c'est A suivi de B. Pour créer des mutex POSIX, il y a la fonction mutex init, mutex destroy. Donc, on va créer ou détruire nos mutex. Puis, ces mutex-là sont associés à un espace mémoire, donc c'est un pthread mutex T.
qu'on peut créer, on peut avoir sur la pile, peu importe, mais c'est quand même un espace mémoire qui correspond à notre mutex qui doit être utilisable. Donc, ici, ça retourne zéro si l'init et le destroy, selon le cas, se produisent correctement. Sinon, la valeur est le code d'erreur. Ici, pour l'attribut, si on veut créer le mutex selon les valeurs par défaut, on n'a qu'à préciser nul ici, un pointeur à zéro. Ça va faire le travail. Sinon, si on veut préciser les attributs, on va voir comment on peut le faire. Puis pour bloquer et débloquer les mutex pour X, bien là, c'est là qu'on fait des locks puis des unlocks. Donc, le lock, on va le faire en lui donnant le pointeur au mutex ici. Le unlock, c'est la même chose. Ça fait qu'on va tenter ou pas de le recevoir. Puis, il y a aussi le try lock. Le try lock, c'est un lock non bloquant. Parce que donc, si on appelle lock puis on n'a pas le mutex, on reste bloqué puis on va débloquer seulement lorsque le mutex va nous revenir. Tandis qu'un try lock, on va tenter d'obtenir le mutex, mais si on ne l'a pas, on retourne tout de suite puis on fait autre chose. Donc, ça permet d'être un appel donc non bloquant pour obtenir un mutex. Fait que lock est bloquant, il retourne lorsque le mutex est obtenu, puis try lock est non bloquant. Puis si le mutex est non disponible, la valeur de retour va être e-buzzy. Fait qu'on peut voir finalement si notre try lock nous a donné quelque chose disant que ce n'est pas possible de l'avoir. Les mutex, tout comme les threads, peuvent être créés avec différents attributs. Donc, similairement dans la fonction mutex attr init, mutex attr destroy, qui vont créer et détruire la structure contenant les attributs de mutex. Donc, on peut les modifier après ça en disant, bon, ben, dans mutex attr get type, en modifiant l'élément type de notre structure d'attributs, on peut dire que ce soit un thread normal, standard, sans vérification d'erreur. On peut en avoir un qui fait une vérification des erreurs et on peut en avoir un qui est récursif. Ça, c'est intéressant quand c'est récursif, ça veut dire que le même mutex peut être bloqué plusieurs fois à l'intérieur d'une même fonction. On peut dire dans le code, à un moment donné, on peut bloquer le mutex, puis on peut faire d'autres opérations, on peut appeler une fonction qui va rebloquer le même mutex une deuxième fois. Puis tant que c'est symétrique par rapport au unlock aussi, ça va aller. Fait qu'il faut quand même unlocker, donc débloquer la ressource de façon symétrique au nombre de fois qu'on la bloque, parce que sinon, ça va rester assigné au thread, puis ça peut créer des problèmes pour les autres threads qui n'ont pas l'accès à la ressource. Donc, la valeur par défaut peut être une des trois. Ce n'est pas précisé laquelle qui est nécessairement la bonne. Donc, ça peut varier. Fait que on ne peut pas nécessairement se fier sa valeur par défaut, sauf pour des cas très de base. Un autre élément aussi, c'est les reader-writer locks. Parce que dans le fond, avec un mutex, l'état est toujours bloqué, soit débloqué. Puis, on sait que lorsqu'on écrit dans des valeurs partagées, c'est important d'avoir l'exclusion mutuelle. C'est nécessaire, sinon il peut y avoir des écritures simultanées, puis ça brise les choses. Puis même une lecture alors qu'il y a une écriture, ça peut être problématique aussi. Cependant, lorsqu'on a plusieurs threads qui disent les mêmes valeurs, il n'y a pas de problème à avoir un accès sans avoir des locks, là, parce que ce n'est pas pertinent, ils font seulement lire des valeurs. Et donc, il y a eu des primitives POSIX pour permettre de faire des lectures et écritures intelligentes. Donc, c'est basé sur la même interface que Mutex. La différence, c'est qu'on a des RDLock, puis des WRLock, donc des ReadLock, des WriteLock, avec des try correspondants. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir. C'est cohérent avec l'interface des Mutex. Ça fonctionne à peu près de la même façon, mais les accès à lecture simultanée sont permis. Fait que s'il y avait plusieurs RDLock de fait, ça va aller. On ne peut pas faire un write lock par-dessus un RD lock. Le write lock va bloquer. Mais deux read lock vont pas être bloqués. On va pouvoir avoir des accès simultanés dans nos deux traits de lecture. Un autre élément aussi, c'est des conditions. Donc, les conditions, ça permet à des traits de se synchroniser. Donc, tout comme mutex, on a fonction init, fonction destroy. Donc, on va créer ou détruire la condition. Le but, c'est d'attendre qu'une condition soit satisfaite. Donc, nos threads peuvent s'exécuter pendant un certain temps.
Là, ils vont se mettre à attendre sur une condition. Donc, la condition va être prise. Puis là, on sait que l'attente, finalement, c'est une condition. On crée une condition. On lui donne aussi un mutex. On voit qu'on a notre condition ici, notre objet de condition. Puis on a aussi un objet de mutex. Ça prend un mutex en jonction d'une condition dans l'implémentation pour faire fonctionner le tout. Donc, chaque condition est protégée par un mutex. Donc, pour changer la condition, le thread doit acquérir le mutex. Il faut avoir accès au mutex avant d'évaluer, changer la condition. Fait qu'il faut faire en soi un mutex lock, puis on donne le mutex à la condition, puis un condition wait. Puis durant l'attente, il s'avère que le condition wait va libérer le mutex quand c'est pertinent pour le réacquérir ensuite. Et donc là, quand on fait un condition wait, ça veut dire qu'on a un thread, plusieurs threads qui attendent sur une condition. Fait qu'il y a une condition qu'on veut obtenir, on ne l'a pas encore, on attend. Puis lorsque la condition est satisfaite, lorsqu'on la rencontre, on peut faire un signal ou un broadcast. Un signal va libérer un autre thread en call and wait, donc dans les threads en attente sur de la condition, il y en a un qui va être libéré. Si on fait un broadcast, ça va être donc il y avait au moins un, on va dire un thread en attente. Si on fait un broadcast, c'est tous les threads qui vont être réveillés pour gérer l'atteinte de la condition. Donc ça, les conditions avec les mutex, ça permet d'avoir les morceaux en main pour avoir une solution au problème du producteur-consommateur. Donc, on revient au même problème qu'on avait tout à l'heure avec une implémentation un peu plus spécifique. Donc, ça commence à être quelque chose qui compile. Donc, c'est de dire ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer notre mutex et notre condition avec un buffer qui est finalement juste un entier. Ici, on n'aura pas un gros tableau, on va avoir vraiment juste un entier où on se passe une valeur entière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une book for, où là, on va faire un lock sur le mutex. On va dire, tant que le buffer n'est pas égal à 0, on va faire un wait. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire que tant que le buffer n'est pas égal à 0, tant qu'il n'est pas vide, on attend. Lorsqu'on obtient finalement la condition, lorsque la condition est atteinte, on va pouvoir débloquer puis assigner la valeur i dans le buffer. Après ça, signaler. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on fera une condition pour signaler, pour dire donc qu'on a produit une valeur. La valeur, elle est produite. Le producteur peut signaler le consommateur que la situation a été réglée, que là, on a produit une valeur. Puis après ça, on peut débloquer. Fait que le signal se fait, puis après ça, on peut vraiment débloquer le mutex associé à ça. Puis on va répéter ça. Si on regarde du côté du consommateur, ben, c'est symétrique dans le sens que là, on va bloquer le mutex encore une fois. Fait que donc, tout se fait avec le même mutex partagé qui est bloqué à chaque fois. Pourquoi c'est sûr qu'il y en a juste un à la fois qui accède à tout ça? On va dire tant que le buffer n'est pas égal à 0, tant que c'est il est pas vidé, on va faire un. Tant qu'il est vide, à vrai dire, on va attendre. Fait que dans le fond, on attend sur le fait qu'il soit vide. Quand il va être rempli, on va avoir un signal. Fait que ici, on fait un conditional wait tant qu'il est vide. Lorsque ça débloque, ben là, on va le signaler à zéro. Fait que ici, on va l'avoir consommé, on va le défaire. On va signaler finalement au producteur que c'est beau, l'élément a été consommé, tu peux en produire un autre. Et finalement, le code ici, c'est nous permet finalement d'initialiser. Les deux threads, d'initialiser les mutex, les deux conditions, de créer les deux threads, de faire des joins, puis de détruire les conditions puis les mutex à la fin. C'est assez direct, puis c'est du code qui marche. Donc, c'est vraiment une implémentation que j'ai testée les années passées, avec le compilateur, puis ça fonctionnait sans problème.